chers amis, au soir de cette Pentecôte, et nous gardons au cœur cette parole de bénédiction de Jésus, la paix soit avec vous, et aussi cette parole d'envoi, cette parole puissante, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et cette invitation, très simple au fond, mais tellement essentielle, recevez l'Esprit Saint. Il nous suffit de recevoir l'Esprit Saint qui nous est donné pour être missionnaire. N'est-ce pas ce que nous avons essayé de faire au cours de ce temps pascal? Et donc, ayons confiance parce que ce que nous avons su mettre en œuvre au cours de ce temps de confinement pour rester reliés les uns aux autres, pour garder au cœur l'Évangile, nous saurons le faire aussi dans le monde d'après, comme disent les médias, mais qui est le monde d'aujourd'hui, chaque jour, pour le Seigneur Jésus, ce monde dans lequel il nous demande d'être ses témoins. N'oublions pas que c'est la parole de Dieu qui nous a nourris, qui nous a permis de garder vraiment au cœur la proximité de Dieu avec nous, qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous guide. N'oublions pas que nous avons manqué de pouvoir nous retrouver. Et donc inventons des chemins pour nous relier les uns aux autres, pour constituer de petites fraternités concrètes qui peuvent nous aider à être attentifs, notamment aux plus vulnérables d'entre nous. N'oublions pas les petits oratoires domestiques que nous avons ouverts dans nos maisons. Gardons-les, même, c'est pas peut-être, je vous encourage à les garder et à y prendre du temps régulièrement pour rester en silence et pouvoir y recueillir profondément cette présence de Dieu avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vraiment, avec vous, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a permis de vivre pendant ce temps de confinement, pendant cette épreuve. Nous n'en sommes pas sortis, nous sommes envoyés aujourd'hui pour porter l'Évangile dans un monde qui retrouve des espaces de liberté. Je sais que le Seigneur sera avec nous. Puissions-nous recevoir avec puissance sa parole d'envoi aujourd'hui, de même que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Bonne route à vous tous. Nous allons terminer cette vidéo des connectés confinés, ce cycle de vidéos, en nous remettant à Marie. Demain, nous fêtons Marie, mère de l'Église, au lendemain de la Pentecôte. Et nous la fêterons d'autant plus que ce sera l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale. Il n'est pas midi, il est 18h. Nous sommes au soir de la Pentecôte. Mais ensemble, nous nous remettons à Marie depuis ce lieu où nous apercevons toute la vallée du Nord-Franche-Comté, toute la trouée de Belfort, cet espace dans lequel le Seigneur nous a plantés pour que nous soyons témoins de son Évangile. Bonne route à tous. Et c'est de ce lieu que nous prions la Vierge Marie, après avoir pris le temps de contempler les magnifiques espaces, depuis le ballon d'Alsace. Nous confions à Marie ce territoire qui est sous sa protection, elle qui est mère de notre Église, elle à qui nous voulons remettre l'avenir de notre diocèse dans sa prière, qu'elle intercède auprès de son Fils, que nous recevions l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.